Ce qui se passe, c'est que les médecins sont mal répartis sur le territoire français. Ils sont par exemple très nombreux à Paris ou sur la Côte d'Azur, et très peu nombreux dans les zones urbaines sensibles et dans les campagnes. Pour citer quelques chiffres, à Paris, on a 47 médecins libéraux pour 10 000 habitants, alors qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a que 17 médecins libéraux pour 10 000 habitants. Cette situation pose un véritable problème et remet en cause l'égalité d'accès aux soins pour tous sur le territoire français. L'Institut Montaigne propose la création de maisons de santé pluridisciplinaires de grande taille à proximité des quartiers, dans lesquelles on trouverait des généralistes et des spécialistes, mais aussi des infirmiers ou des kinés, qui exerceraient tous en exercice libéral. Ces maisons de santé présentent un avantage pour les professionnels de santé et pour les populations. Pour les médecins, cela leur permet d'exercer en collectif, de mutualiser leurs frais, les frais de secrétariat, mais aussi d'entretien ou de sécurité, d'avoir des horaires raisonnables. Et pour les populations, ces maisons de santé, ce sont des soins de premier recours près de chez eux, avec des horaires d'ouverture large, des soins de qualité, pas de dépassement d'honoraires. Donc ces maisons de santé représentent un axe clé de la médecine de ville de demain, et il est temps d'en faciliter la création.